Après la libération, nous n'avons pas le droit de tirer l'enveloppe. Depuis quelle raison? Ce n'est pas normal. Une enveloppe qui a été scellée. Non, mais c'est quelle dame? Les représentants des partis sont déjà partis. Quelle autorité dispose-t-elle pour qu'assurer cette enveloppe et la changer? C'est hors la loi, c'est une infraction au code électoral. Donc nous condamnons. Ça, c'est la poursuite vraiment des manquements que nous avons notés depuis ce matin. C'est inadmissible. Ça, c'est dangereux pour notre démocratie. Nous le dénonçons vivement. On ne peut pas l'accepter. On est dans un pays de droit. L'enveloppe scellée, elle n'a aucun droit. Il y a un autre souci. Donc ça, c'est une mauvaise foi. Elle a une autre intention. L'enveloppe a été mal scellée. On a juste changé l'enveloppe. Est-ce que vous l'avez fait devant les représentants? Mais les épreuves sont partis de même. Mais dans ce cas-là, vous ne deviez pas le faire, Camille. Vous ne deviez pas le faire. Vous n'aviez pas à le faire. Mais l'enveloppe a été scellée, nous disons qu'on est. Mais c'est quoi le problème? Mais l'enveloppe est scellée devant tous les partis. Ils n'ont pas dit qu'on est. Non, non, non. Ils étaient même pas. Mais ça m'a dit. Non, mais l'enveloppe est là. Non, mais là c'est bon. C'est quel numéro? C'est un numéro? Non, mais c'est un numéro. Numéro 39, non mais c'est bon. Numéro combien? Numéro 39. Numéro 39. Elle a laissé le butin, elle a laissé le butin, elle a rajouté le butin. Bah oui. Elle a laissé, elle a rajouté la route de lui. Pour frauder devant les représentants, comment non, ici, c'est fini, c'est scellé. Pourquoi reprendre l'enveloppe qui est déjà scellée, déchirer l'enveloppe et rajouter effectivement le butin de lui? On en voit, ça n'existe nulle part dans le monde. Ça n'existe nulle part dans le monde. Qu'on le fasse, le scrutin est passé, l'argument est demandant dans le chaos. C'est quoi le temps d'argumenter dans l'ambiguïté? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.